Bonjour, nous arrivons au terme de ce symposium qui s'est tenu à la Robertderie, commune de La Tillée, et je voulais vous montrer une à une les œuvres qu'ont réalisées tous ces artistes dans des billons de bois de provenance cèdre et séquoia. Nous allons commencer par la première, une dame qui vous offre ses charmes, ses rondeurs, ses formes. Elle a été réalisée par Patrice Henry. Et puis de dos, vous voyez ici les œuvres les plus monumentales dans le cèdre. La première vers laquelle j'avance est celle de Ur. On peut dire que, et vous allez le voir de face, c'est une œuvre qui développe tout le sens artistique, toute la beauté plastique de ce qu'a voulu représenter Ur, un artiste complet à multiples facettes, que vous pourrez entendre sur une autre vidéo. Et je vous montre ici, éventuellement, si votre imaginaire vous permet de le voir, comme ça, il s'agit de Goliath. Et bien sûr, David. Je m'approche de David pour qu'il vous soit un peu mieux visible. Voilà. Regardez ce qu'à partir d'un billon de cèdre de 3 mètres de haut, de 1,20 m de diamètre, l'artiste a réussi. C'est absolument merveilleux. Et tout ça, bien sûr, pour reprendre le titre d'un symposium qu'ils ont tenu il y a quelques années, c'est le sacre à la tronçonneuse. Voici donc pour vous David et Goliath, une œuvre de Ur, une œuvre de réconciliation, nous a-t-il dit, réconciliation de ces personnages, avec un Goliath encore un peu pataud et un David qui cherche visiblement la réconciliation. C'est un message fort que nous délivre Ur, et je pense très sincèrement que cette œuvre aurait sa place dans bien des domaines publics pour représenter le symbole de ce que l'homme nourrit en art et de ce que l'œuvre peut nous apporter comme réflexion.